Nous allons méditer sur la parole de Dieu ce matin que nous trouvons dans Jérémie, le chapitre 35. Nous allons méditer autour du verset 12 et jusqu'au verset 14. Jérémie, chapitre 35, le verset 12 et à 14. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rékab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Voilà, le Seigneur s'adresse au peuple de Juda, un peuple aux cou raides et qui refusait de s'instruire, qui ne fait aucun cas des instructions de l'Éternel. Donc, dans ce chapitre, l'Éternel demande à Jérémie, et le prophète, bon, c'est comme si c'est passé de passer un test au Rékabite pour les tester, pour voir leurs convictions. Donc, et Jonadab, et fils de Rékab, donc et la Bible fait mention de lui et dans 2 Rois, le chapitre 10 et le verset 15. Si nous retournons en arrière, dans le livre que nous avons lu déjà, nous avons travaillé sur les réseaux, dans point Jonadab, ça qui mentionné matin dans Jérémie chapitre 35, là, eh bien, il fait mention de lui dans 2 Rois 10, verset 15. Et Jonadab t'est prêté la main forte et la main d'association à Jéhu pour que Jéhu t'est capable de combattre Akab. Donc, et c'est mon ça que Jérémie 35 l'a parlé là de lui, de les Rékabites. Donc, Jonadab est le fondateur des clans des Rékabites. Et qui parle juif. Donc, et ça qui est très intéressant dans ce chapitre-là, c'est que l'Éternel mandait Jérémie pour lui adjoindre Rékabitio. Aller avec eux à la maison de l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui mandait Jérémie pour le faire ça. Aller chercher Rékabitio, et bien aller avec eux à la maison de l'Éternel. Offrir du vin. Et dans le verset 5, il est écrit, je mis devant les fils de la maison des Rékabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Le verset 6, ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Rékab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et si vous continuez lecture là, vous pourrez avec un pile l'autre recommandation encore que Jonadab t'a fait. En ce qui concerne l'habitation, maison pour pas gagner, c'est dans des tentes, etc. Si vous lisez tout le chapitre. Donc,
Ça qui est intéressant, yo kembe toute instruction ça yo. Yo kembe toute valeur ça yo que Jonadab, eh bien papa yo te transmettre yo. Donc la transmission des valeurs qui kembe. Malgré Jérémie offrir yo du vin, yo dit non, non. Hein? Nous pas boire du vin. Nous pas doué boire du vin. Parce que c'est l'ordre nous te recevoir de papa nous, Jonadab, pour nous pas chambouer du vin. Ah, quelle constance dans le comportement de ce peuple. Quelle conviction affichée. Et souvent, on ne rencontre pas ce comportement et chez les soi-disant chrétiens. De génération en génération, les Rechabites ont gardé les instructions reçues par leur père Jonadab. Ça, c'est une belle et bonne leçon et de constance et de conviction chez ce peuple. C'est comme si c'était un test que bon Dieu t'a baillé. Dieu voulait passer un test à ce peuple en demandant à Jérémie de leur offrir du vin. Et pourtant, peuple ça fait abstinence avec du vin, yo pas boire du vin. Festin ça que Rekabit yo t'es invité à. C'était du vin seulement yo t'es servi là-dedans. Yo te gen le courage pour yo te di, Jérémie, non, yo pas boire du vin parce que yo recevoir instruction pour yo pas jamais boire du vin. Quel exemple de courage et d'obéissance. Jonadab a enseigné de ne pas boire du vin. Ça belle en pile. Ça belle en pile comme attitude, comme comportement de constance. Rekabit yo, kebe valeur, yo te transmet yo a. Eh bien, gen an pil moun ki pa gen konstans sa. Gen an pil moun ki se kretyen a mwatiye, kretyen chak dimanj. Lò vin l'egliz ou santi ke moun nan gon atitude de piyete, men se kom si se yon... C'est une piété apparente. Ou quand on voit mon yeux fermés, la prier, parfois, ou mon tout, la danser, la déhancher dans l'église, comme si c'était dans un carnaval qu'elle était venue, les danser jusqu'à ce qu'elle suait. Mais là, elle arrivait là, Kylie, eh bien, c'est comme s'il pas t'attendait rien, t'es passé l'église là. C'était danser seulement, elle devine danser. Pas de grand recueillement, vraiment. Tout ça qui est l'église là, l'île. Ça va vous dire, pareil, mais persévérance, non, persévérance, c'est très bien. Mais, quelqu'un dit répondre à toute activité qui est dans l'église là. Mais quand il s'agit de dire non, côté pour le dire non, hein, il réfléchit en pile. Li pa gen konstans avèk konviksyon. Tout proposisyon bon pou li, e bon pou kouka kretyen. Si gen de kote pou di non ou pa di non ou pou kouka kretyen. Rekapit yo di non, nou pa bwa du vin. E pourtant, l'Eternel pa jwen obeysan sa. L'Éternel pas de joindre constance ça. L'Éternel pas de joindre conviction ça la caille ni Juda ni Israël. Et c'est peut-être ça, l'Éternel dit au verset 14 à 15 là. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, hein, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, hein. Ils n'ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et l'Éternel dit, moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Quelle rébellion, quelle désobéissance.
chez le peuple de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 15, on a fait référence à Timothée. Paul demande au jeune pasteur Timothée de demeurer dans ce qu'il a appris de sa mère et de sa grand-mère. Paul Mandel pour demeurer dans ça qu'il t'apprend. Le jeune pasteur Timothée, de sa maman, l'avait grande été transmettre comme valeur. Il y a des valeurs qui ont inculqué, hein, dès l'enfance. Il y a des gens qui grandissent avec valeur. Eh bien, leur grandit avec des valeurs familiales, des valeurs de la parole de Dieu. Pays pas doit changer. Travail qu'on vient joindre n'a pas doit changer. Belle fonction prestigieuse qu'on va exercer pas doit changer. Pression sociale, pression de groupe, de regroupement, de amis, pas doit changer. Et Timothée pas doit changer et il pas de changer. Paul demande pour pas changer. Il y a une pile pression sociale qui a fait changer. Mais attention, comme récapitulation, papa nous a adapté pour nous boire du vin et de génération en génération, nous ne pouvons pas boire du vin. C'est un bel exemple de conviction et d'obéissance. Demeurer dans ça, il te montré, il te montré. Il y a des gens qui cool voyager. Ce n'est pas même les gens qui encore. Ou qui te pays changé, ou qui te tête ou parti par le fait que ou ap vive aux États-Unis, ou ap vive au Canada, en France, ailleurs. Ah non, pays pas de changer. Vous devez garder en toutes circonstances la constance. Bon, tout pays gen coronavirus. N'est pas vrai? Tout pays gen coronavirus qu'on y a là. La pour pays pas gen coronavirus, non? Reine prend coronavirus, roi prend coronavirus, prince prend coronavirus, prince Charles te gen coronavirus, et prince Albert de Monaco te contracté coronavirus. Gagné le prince héritier de Danemark, Christian de Danemark, qui sont jeunes hommes de 14 ou 15 ans, bon, ils sont gagné coronavirus. Gagné la princesse de Suède, Sofia de Suède, qui fait gagner là, elle est en isolement. Alors, pour que ça me cite non, Mounzaïo, nous avons dit que ce sont des royaux, et ils ont toujours dit les royaux, c'est sang bleu qui a coulé l'envenio. Nous avons dit que c'est sang bleu et il n'y a pas de coronavirus. Mais tout le monde a coronavirus, cela veut dire pays pas de changer. Tout pays infecté. Hein? Bon, le moment ça, si vous pas accroché à bon Dieu, bon, qui compte au garde? Bon, mais vite pour accrocher à bon Dieu. Nous pas senti depuis le nous retirer nous dans principe que bon Dieu t'est bailli. Nous pas senti depuis le nous retirer bonne que bon Dieu placé yo. Nous pas senti n'a vivre dans un monde tête en bas. Dans un monde de fou. Dans un monde déséquilibré. Nous pas senti ça. Nous relè ça mal bien et ça t'est bien yo ça t'est les valeurs yo pour nous t'équimber yo nous relé yo kounya nous relé yo mal bon Dieu établit le roi de la famille yon femme ak yon garçon pour la procréation de la race humaine bon nous-mêmes nous changer loi nous dit c'est deux femmes qui pour vivre ensemble nous dit c'est deux garçons pour vivre ensemble bon c'est un monde de fous. L'Éternel vous demande ce matin pourquoi vous ne respectez pas mes instructions. Il s'adresse à vous ce matin. Un foyer, selon le cœur de Dieu, est un foyer où l'on reçoit de bons conseils de Dieu. Gardez l'éducation où tu recevras la caillou. Pays étranger pas qu'à changer. Malgré les pressions sociales, Daniel a 3 ans millions pas de céder.
Yo te résister, il faut résister, chrétien. Chrétien, vous devez résister à la tentation que de situations compromettantes et tentantes qui viennent devant. Il faut résister, il faut qu'elle dise non, même j'ai avec les Récabites, nous pas boire du vin. Pour qui ça? Parce que Jonadab, grand-grand-parent nous, te dit nous, piga nous boire du vin. Il t'est passé nous des instructions et c'est ça que l'Éternel pas joint dans mes Judas avec Israël comme obéissance. Joseph en Égypte pas cédé, mais pour qui ça a cédé en tant que chrétien? Il était demeuré dans ça, il était enseigné Yoa comme valeur. Parents, parents, donnez à vos enfants une éducation saine et de qualité. C'est la responsabilité des parents de donner une bonne éducation à leurs enfants. C'est la responsabilité des parents d'appliquer la parole de Dieu à leurs enfants. Ti moun yo besoin modèle. Ti moun yo besoin ancrage. Ti moun yo besoin repère pour la vie. Instruction est une belle chose dans la vie du peuple de Dieu et dans la vie de ce peuple, les Rechabites. Les Rechabites ont fait école en matière d'obéissance. Soyez des chrétiens obéissants, soyez des chrétiens constants, soyez des chrétiens de conviction. Je reprends le texte de ce matin. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rechab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Ce matin, écoutez les instructions de l'Éternel. Faites comme les Récabites. Très bel exemple d'obéissance. Faites comme des Récabites. Pas bronchés. Soyez constants. Des chrétiens constants, des chrétiens de conviction, des chrétiens avisés. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde de méchanceté. Le monde tout noir. Il fait noir. L'envoyez-vous dans le monde où est obscurité. L'envoyez yo de Yoa ou de Yoa tout noir. Revenez donc à Jésus. Jésus a besoin de vous. Il a besoin de vous donner un avenir et de l'espérance. Retournez à Jésus. Acceptez Jésus. Et soyez obéissant à la parole de Dieu. Pas changer. Pas quitter pays changé, pas quitter job changé, pas quitter l'argent changé, pas quitter ascension sociale changé, pas quitter amis changé. La vie ou pas de bande des amis. Et gen moun nan la vie pour le vivre, faut le dire ses amis et tel. Cela veut dire ville calquée sur la vie ou l'autre monde. Ou pas de conviction, ou pas de chrétien. Depuis vie ou calqué sous la vie de l'autre monde ou pas qu'à chrétien. Parce que vous manquez constance, vous manquez conviction, vous manquez en dedans, en créole, vous manquez en dedans. Faites comme les récabites, ok? Et les récabites ont fait école en matière d'obéissance. Soyez obéissants aux instructions, à la parole de Dieu, aux instructions de l'Éternel des armées. Soyez richement bénis. Amen.